Vous faites quoi? Je suis photographe. D'ailleurs, je me demandais en vous regardant, vous avez déjà fait le boulot? Bonjour. En tant que mannequin, je veux dire. C'est une blague? Non, non, je suis très sérieux. Je travaille souvent avec des mannequins de votre âge, d'ailleurs. J'en ai même fait. Bonjour. Bah alors, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un album que j'ai fait, qui est fini, et que je n'ai pas fait le tuto, mais si ça vous intéresse, je le referai. Voilà. Alors l'album, le voilà. Le voilà. Voilà. C'est celui-là. Il se présente comme ça, avec un empilage de cartons les uns sur les autres, en cacons. Voilà. Dessus, j'ai mis des fleurs, voilà. Sur la tranche, j'ai rien fait, seulement une petite serrure que j'ai mis à porte-clés. Voilà. Et derrière, j'ai rappelé la forme qu'il y a devant, mais je n'ai rien fait de plus. Voilà. La fermeture se fait juste par deux petites choses qui s'agrippent l'une dans l'autre. Voilà. Alors, la première page. La première page se présente comme ça, avec un tag dedans, que l'on peut mettre des photos devant, derrière. On peut y glisser, je sais plus, une vingtaine de photos, je crois. Il s'ouvre de cette manière, comme ça. Là, on peut mettre une photo ici. Celui-là s'ouvre de l'autre côté. C'est là. On disait avec un petit espace ici pour mettre un tag ou autre chose, une photo pour y glisser quelque chose. Et ici, de la même manière, on peut glisser deux photos. Ici, on peut mettre une photo ici. On le tourne comme ça. Là, on peut glisser les photos dessous. Voilà. Avec un joli papillon. Là, le tag est ici. Il a la forme de l'angle. Encore un autre papillon. C'est l'album au papillon. Donc, voilà. Il y a des papillons partout. Voilà. Encore des papillons. Avec des tags. On peut mettre des photos partout. Ici, on peut mettre un tag ici. Pour mettre des photos. Recto, verso. On remettra ici avec une petite fleur. Les fleurs sont là justement pour tenir l'espace entre les deux, pour pas complètement écraser les pages. Là, un autre tag ici. Cette page ne s'ouvre pas. Ici, un tag ici. Voilà. Et là, il s'ouvre comme ça. Comme ça. Et vous avez un tag ici et un tag ici. Voilà.
Ici, vous avez un petit éventail pour y glisser une photo de dessous, et puis des petites tags. Avec une petite fleur. Voilà. Là, pour mettre une photo. Et là, comme la première page, une grande pochette avec un grand tag pour y glisser les photos. Et voilà. Maintenant, si cet album vous plaît, si vous voulez le tuto, si vous voulez que je le refasse, c'est avec plaisir que je vous le refais, que je vous le montre, voilà. Vous me le dites, vous me mettez dans la barre, vous avez l'habitude, donc voilà, les petits pouces bleus, et voilà, voilà. Merci, au revoir.